qu'avec toi. Tumemimina mioyo yetu mbele zako. Nous déversons nos cœurs devant de toi. Baba tuna imani Mungu umetusikia. Nous avons la foi que tu nous as écouté. Muda huu ni muda wa kukusikia ukisema na sisi sasa. C'est le temps que nous voulons entendre ce que toi tu vas nous parler. Asante kwa neema ambayo umetuangukia. Merci Seigneur parce que la grâce nous a été donnée. Acha ututumie tu sawa na makusudi yako. Est-ce que tu nous utilises conformément ta volonté? Sisi tupotee na uzirike. Que nous disparissions afin que toi tu sois manifesté. Kazi zote za ushirikina na zigiza zishindwe kwa jina la Yesu. Tout ce qui ne voudra pas que tu agisses soit nulle nulle fait. Ili Mungu roho wako tena tawale. Que ton esprit règne encore. Atawale avume na kutukuze Kristo. Puisse encore régner et te glorifier Jésus. Katika uwezo wa jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Tunaomba na kushukuru. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Tutasibaki wima tusome neno la Mungu. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Tuko wima tunasoma neno la Mungu. Nous serons debout en lisant la parole de Dieu. Wa Korinto wa kwanza. 1 Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza. 1 Corinthiens. Sura yake ya 5. Chapitre. Sura yake ya 5. Chapitre 5. Mstari wa 6. Le verset 6. Mpaka 8. Jusqu'à 8. Wa Korinto wa kwanza. 1 Corinthiens, sura yake ya 5, chapitre 5, mstari wake wa 6, le verset 6, mpaka 8, tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kujisifu kwenye usiku nzuri. Hamujui ya kwamba chachu ndogo inachacha fungo nzima? Muzisafishe na kutoa chachu ya zamani, mupate kuwa fungo jipya. Kama mulivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Basi tufanye karamu si kwa chachu ya zamani wala kwa chachu ya uovu na ubaya, lakini kwa mkate usio chachwa ndio moyo safi na kweli. Amen. Tushangilie neno la Bwana. Nous acclamons la parole de Dieu. Tunaweza kuketi. Nous pouvons nous asseoir. Lakini mbele tu tafsiri maandiko nataka tumishi asome pia kwa Kifaransa. Avant que nous puissions décortiquer ces paroles, nous allons les lire en français. Il est écrit: ce bien à tort que vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le bien levé, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vin levain, non avec le vin de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité, parole du Seigneur. Amen. 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 Bwana sifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Tunamshukuru tena Mungu kwa siku ya leo. Nous disons encore merci à Dieu pour ce jour. Tunashukuru neema ambayo tumepewa tena. Nous disons merci encore pour la grâce qui nous a été donnée. Kuweza kushimama mbele yenu. D'être debout devant vous. Na kukana Mungu wetu. Et de parler de la part de notre Dieu. Tuna moyo wa shukrani kwa baraza ya kanisa. Nous avons un cœur reconnaissant au comité de l'église. Tuna moyo ya shukrani kwa baraza ya kanisa. Nous avons un cœur reconnaissant au comité de l'église. Kufikiri kwamba tunaweza kuleta neno kwa kipindi kama hiki ya Pasaka. De penser que nous pouvons parler dans ce moment de la Pâque. Bwana sifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Najua wiki tutabarikiwa pamoja. Je sais que beaucoup d'entre nous tutabarikiwa pamoja. Nous serons bénis ensemble. Na hautajuta kushiriki kwa mafundisho ama kwa Pasaka hii kwa mwaka. Et tu vas pas regretter de participer dans ces enseignements ou même pour cette Pâque. Najua Mungu atakugusa. Je sais que Dieu va te toucher. Najua roho wa Mungu atakutembelea. Je sais que l'esprit de Dieu va te visiter. Na hautabakia ule ule. Et tu seras plus resté le même. Sababu kuna kitu Mungu anataka kufanya. Parce qu'il y a quelque chose que je vais faire avec toi. Ujitahidi usingelikosa hata siku moja. Sois prêt seulement. Kwa sababu hautajua siku Bwana atakutembelea. Parce que tu ne sauras pas le jour que Dieu va te visiter. Hakikisha kuanza kipindi hiki. Rassure-toi, commence ces programmes. Kukimaliza pamoja nasi. Et de terminer ensemble. Na utaona mkono wa Bwana. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Kwa hiyo kichwa ya neno. Alors le thème
C'est au verset 7. Inasema, ce qui est écrit, mujisafishe na kutoa chachu ya zamani. Allez, viens, levez et soyez purs. Faire disparaître les vieux. Alléluia. Kutoa kondoa chachu ya zamani. Faire disparaître les vieux levains. Kondoa chachu ya zamani. Allez, les viens, les vins. Hii ni maneno ya mtume Paulo. Ça, c'est les paroles de l'apôtre Paul. Ambaye aliandikia wa Korinto. Il est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Wakati alikuwa katika vifungo huko Roma. Lorsqu'il était dans la prison à Rome. Lakini japokuwa alikuwa katika kifungo. Même s'il était dans des chaînes. Roho yake ilikuwa katika katikati ya watakatifu. Mais son esprit était au milieu de saints. Katikati ya watoto wake ambao aliwazaa. Au milieu de ses enfants qu'il a engendrés. Makanisa zote ambazo ameziweka. Et toutes les églises qu'il a plantées. Siku kama vile mchana hakukosa kuwafikiria. Nuit et jour il ne cessait à penser à elle. Na wakati huyu Pasaka ilipokaribia. Et lorsque la Pâque approcha, Paulo alikamata kalamu ili aandikie kanisa la Korinto. Paul a pris son stylo pour écrire à l'église de Corinthe. Ili apate kuwaelekeza namna gani ya kutembea. Pour leur montrer les orientations, comment ils devaient marcher. Ukisoma mwanzo ya sura hii, si vous lisez le début de ce chapitre, unaona kisi Paulo iko anakemea taifa la Mungu pale Korinto. Vous allez voir comment Paul est en train de réprimander le peuple de Dieu de Corinthe. Anasema kwamba nimesikia. Il a dit j'ai entendu. Kwamba ijapokuwa hata niko mbali katika mwili. Malgré que nous sommes éloignés de vous physiquement. Lakini nikiwa karibu nanyi kwa roho. Mais étant proche de vous spirituellement. Nimesikia kwamba katikati yenu. J'ai entendu au milieu de vous. Kumekuwa machafuko mingi sana. Il y a beaucoup de impuretés. Kumekuwa uchafu ambao unaonekana katikati yenu. Des souillures qu'on a constatées au milieu de vous. Na hata mkafikia kiwango ambayo kwamba. Et même la dimension où vous êtes arrivé que. Kumesikilika kwamba uzinzi ambao iko katikati yenu. On a bien entendu qu'il y a aussi l'impudicité au milieu de vous. Hayawahi kuwa katikati ya wapagani. Ça n'a jamais existé même au milieu de païens. Chuki ambayo inasikilika ambayo iko katikati yenu. La haine qui est entendue au milieu de vous. Tunapoangalia katika wapagani ile chuki haiko. Si nous regardons les païens, on ne les retrouve même pas. Paka imefikiria kwamba katikati yenu mmoja anashika mke wa mwingine anakuwa bibi yake. Jusqu'à arriver au niveau où chacun commence à prendre la femme de l'autre, la faire sienne. Na Paulo akasema kwamba. Et Paul a dit que. Ijapokuwa hata mumesikia kwamba hiyo maneno iko. Malgré que j'ai entendu que ces choses sont là. Umeacha kwamba ionekane kama vile kawaida. Vous les laissez comme si c'est normal. Lakini na waapia kwamba hata niko katika kifungo. Mais je vous jure ce que même si je suis dans le chaîne, ningikuwa katikati yenu. Si j'étais au milieu de vous. Mtu kama yule ilibidi aondoshwe kati yenu. La personne comme telle devait être prise à lever au milieu de vous. Na sio kondoshwa tu aende nje. Pas seulement le mettre dehors. Lakini angiaibika. Mais on pouvait le mettre en spectacle. Zaidi ya kuaibika angiondoshwa angilikufa hata. Et on pouvait même le jeter dans le main du diable. Nikusema akufe roho yake okoke lakini mwili wake onekane kuharibu. Aiharibika. Il pouvait être vu comme si vivant physiquement mais son cœur, son esprit n'était plus vivant. Ndio akawaandikia maneno haya ambayo tumeyasoma. C'est ça qu'il leur avait écrit les paroles que nous venons de lire. Kwamba inaonekana kama katikati yenu wako wanajisifu kwa ajili ya mambo kama ile. Et c'est celui qui au milieu de vous les gens se glorifient par rapport à ces choses. Lakini mwelewe kwamba kujisifu kwenu ni kwa bure. Acceptez que votre façon de vous vanter c'est en vain. Kwa sababu mko najisifu kwa mambo ambayo haipashi kusifiwa. Parce que vous glorifiez des choses qu'on ne pouvait pas se glorifier avec. Muko munajisifu kwa mambo ambayo haipashi kusifiwa. Vous glorifiez sur des choses que vous ne pouviez pas vous glorifier. Na ndio akawapatia ile recommandation ambayo tunasikia hapa. Et c'est ça qui leur donna la recommandation que nous venons d'écouter. Ondoweni chachu ya zamani. Que vous enlevez les vieux levains. Ili mugeuke kuwa chachu nyipya. Pour que vous soyez de nouvelles pâtes. Muwe chachu nyipya. Que vous soyez de nouvelles pâtes. Kwa sababu Pasaka yetu. Parce que notre Pâque. Yesu Kristo. Jésus Christ alisha kutolewa. Est déjà immolé. Na kwa hiyo mufanye sherehe. Alors célébrons la fête. Sio kwa chachu ya zamani. Ce n'est pas pour les vieux levains. Lakini kwa chachu nyipya. Mais pour les nouveaux levains. Sio chachu ya maovu.
ce n'est pas le vin de l'impureté. Ce n'est pas le vin de la haine. Lakini chachu ama chachu nyipi ambayo ni haki na kweli katika maisha yetu. C'est le vin de la pureté et de la vérité dans vos vies. Na kwa wiki hii Mungu atatusaidia. Et dans cette semaine le Seigneur va nous aider. Tupate kuelewa mambo ambayo inahusu chachu ya zamani. Que nous puissions comprendre ce qui devient le vin. Na namna gani tunaweza kuwa chachu nyipya. Et comment nous pouvons être de nouveau le vin. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Hapa kanisa la Korinto lilikuwa linatafuta kusherekea Pasaka. Ici l'église de Corinthe préparait la Pâque. Kama vile mimi na wewe tuko tunaenda kusherekea Pasaka kwa siku chache. Comme vous et moi nous préparons aussi à célébrer la Pâque dans peu de jours. Lakini wengi wanaweza kuwa hapa wajue Pasaka maana yake ni nini. Mais la plupart d'entre nous ici sans connaître qu'est-ce que la Pâque. Wengi wanaweza kuwa wanaketi hapa. Beaucoup de gens s'asseoir ici. Lakini hawajui Pasaka ni kitu gani. Ne connaissent pas qu'est-ce que la Pâque. Lakini Pasaka ambayo sisi tunasherekea. La Pâque que nous célébrons. Kama sisi wa Kristo. Étant des chrétiens. Sisi wa agano jipya. Nous qui sommes de la nouvelle alliance. Sisi Pasaka tunasherekea. Notre Pâque que nous célébrons. Kufa na kufufuka kwa Kristo. C'est la mort, la résurrection de Christ. Kwa sababu katika ile kufa na kufufuka. Parce que dans la mort et dans la résurrection de Christ. Dio mana leo tuko gisi tuko. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Yesu asingeli kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Si Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Ili sisi ambao tulikuwa wenye dhambi. Pour que nous qui étions de péché. Tuonekane kuwa watakatifu. Soyons vus étant saints. Sisi ambao tulikuwa laana. Nous qui étions malédiction. Tuonekane kuwa baraka. Que nous soyons bénédiction. Sisi ambao tulikuwa tumekataliwa. Nous qui étions rejetés. Tuonekane kukubalika. Qu'on soit accepté. Kwa hiyo kazi yote angilifanya hapa chini ya jua asingelikuwa na kazi. Alors tout les travaux que Christ a accompli seraient vains. Na ndio maana sisi ambao tuko watu wa agano jipya. Alors nous qui sommes de la nouvelle alliance. Sisi ambao tunaamini Kristo. Nous qui croyons en Christ. Sherehe kubwa tulio nazo katika sherehe zote. Notre fête n'est pas comme toutes les autres fêtes. Sherehe ya Pasaka. C'est la fête de la Pâque. Kwa sababu hapo ndio Kristo ametukomboa na ulimwengu wa dhambi. Parce que c'est là que Christ nous a sauvés de l'ancien monde. Hapo Kristo ametuokoa chini ya laana. Et là Christ nous de la malédiction. Na leo tunakuwa na haki ya kuitwa watoto wa Mungu. Kwa nous avons droit d'être appelés enfants. Leo tunaitwa, leo tunakuwa na haki ya kuwa warithi pamoja na Kristo. Aujourd'hui nous avons le droit d'hériter avec Christ. Kwa sababu yeye ametupatia hiyo kibali. Parce qu'il nous a donné ce privilège. Na ndio maana wakati yote tunapokumbuka wakati kama huyu. C'est pourquoi manque nous pensons à ce temps. Lazima tusherekee Pasaka kwa furaha na shangwe. Nous devons célébrer la Pâque avec la joie. Kwa sababu tunatoka mbali. Parce que nous sommes venus de loin. Kupitia kazi ya msalaba. À travers l'œuvre de la croix. Ndugu wa agano la kale. Les gens de l'ancienne alliance. Ndugu zetu wa Yahudi. Les Juifs. Ambao walifanya pia Pasaka. Qui ont célébré aussi la Pâque. Nao walifanya kwa sababu walikuwa na sababu ya kuifanya. Et aussi l'ont célébré parce qu'ils avaient une raison de le faire. Kwa sababu kila leo walipokumbuka jinsi Mungu aliwatoa katika utumwa. Parce que chaque jour qui se rappelle de la manière dont Dieu les avait sauvé de la servitude. Kupitia mkono wa Musa. À travers la main de Moïse. Kutoka utumwa wa Farao. De quitter la servitude de Moïse de Pharaon. Nao siku zote kila mwaka. Et chaque année. Kwa wakati ambayo iliyowekwa kwa ajili ya kusherekea Pasaka. Dans le temps qui lui était fixé pour célébrer la Pâque. Waliweza kuisherekea kwa ajili ya kutukuza Mungu. Ils pouvaient le célébrer pour glorifier Dieu. Kujua kwenye umali wametoka. Pour se rappeler de là où ils sont venus. Katika utumwa walikuwa nayo katika Misri. Dans l'esclavage qu'ils avaient dans le pays. Na Mungu akawaondoa ili kuingia katika nchi ya ahadi. Et que Dieu les avait sauvés pour entrer dans le pays des promesses. Na sisi tuna sababu ya kusherekea Pasaka. Et nous aussi nous avons une raison de célébrer la Pâque. Kwa sababu singelikuwa Kristo. Parce que n'eût été Christ. Sijue tungelikuwa wageni wa nani. Je sais pas on devait être qui aujourd'hui. Kristo alikuja kwa ajili walio wake. Jésus est venu pour qui était le sien. Alikuja kwa ajili ya Wayahudi. Il est venu pour les Juifs. Lakini walikataa neema. Mais ils ont refusé la grâce. Na wakati walikataa neema. Et lorsqu'ils ont refusé la grâce. Akageukia mataifa njoo mimi na wewe. Il s'est tourné vers les nations qui est toi et moi. Sisi ambao hatukukua taifa teule. Nous qui n'étions pas un peuple élu. Lakini tukaonekana kuingia katika ile mpango ya wokovu wa Kristo. Mais nous sommes entrés dans le plan du salut de Christ. Na ndio maana tuna furaha ya kushangilia, furaha ya kusherekea Pasaka. C'est pourquoi nous devons avoir la joie de célébrer la Pâque.
Parce que nous n'étions pas dignes. Et si on nous a donné cette grâce, il faut qu'on puisse la tenir bien. On nous a dit comment nous allons échapper si nous négligeons cette grâce qui nous a été donnée. Il faut considérer la grâce qui nous a été donnée pour que nous puissions voir son salut. Alors si nous croyons que Christ nous a tirés de loin, est-ce que nous puissions encore l'acclamer encore? Parce qu'il est là, nous pouvons encore l'acclamer. Il est digne d'être élevé. Celui qui nous suffit dans nos vies. Kwa hiyo utukufu, alors que la gloire, heshima, l'honneur, na uwezo imurudilie siku zote. La puissance lui revienne tout le temps. Amen. Amen. Tunaenda sasa kwa somo letu. Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Tunasema kwamba tuondoe chachu ya zamani. Qui nous demande à lever les vieux levains. Ili tuonekane kuwa chachu nyipya. Et que nous soyons de nouvelles pâtes. Bwana tusaidie sana. Amen. Kuondoa chachu ya zamani. À lever les vieux levains. Kondoa alepi chachu le vieux levain ya zamani le vieux levain. Tukiangalia maneno mazito au magumu katika hii msemo hii, si nous voyons des lourdes paroles dans cette passage, ama maneno ambayo inalomba tafsiri kujua ni mzuri maneno gani, ou bien des qui nécessite la transcription bien l'explication, moja wapo ni chachu. Il y a le levain. Chachu, wakati tunazungumza chachu, kuna wengine wanajiuliza ni kitu gani. Lorsque nous parlons de levain, il se demande c'est quoi. Si kitu kingine, c'est pas autre chose. Kwa Kiswahili yetu ya hapa, dans notre Swahili d'ici, bosijue kama mkiswahili tunaisemaka, wale ambao wanapiga mikate na benye wanajua. C'est là qui fabrique des pains, ils peuvent comprendre bien ça. Ili ambao wanatumia kwa ajili ya kuvimbisha pate yao ambao biko nayo. C'est qui met lever la pâte. Ile kitu wanatiaka ndani ambao wanaita levure. Les choses qu'on met, qu'on appelle levure. Ambayo inafanya kwamba mkate wako ipate kuvimba. Ce qui fait gonfler le pain. Beignet yako ipate kuvimba. Même le beignet puisse gonfler. Na ipate onekana kuwa mkate. Et que ça soit vu comme le pain. Kwa hiyo hiyo mojawapo lazima tuelewe kwamba ni kitu ambacho kinawekwa ndani ya kitu fulani ili ipate kuipatia kuivimbisha. Donc nous comprendre que c'est une chose qu'on met dans une autre pour lui donner une autre forme. Na wale ambao wanatengeneza saa zingine pombe, et là aussi qui fabrique le vin, wanatia pia chachu. Ils mettent aussi l'alcool dedans. Ili onekane kuwa na vuchachu, ili onekane kuwa na uchachu. Pour avoir l'alcool. Bwana tusaidie. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo hiyo ndio chachu. C'est ça le levain. Lakini katika hali ya kiroho, mais dans le sens spirituel, katika hali ambayo tuko tunaizungumzia, dans le sens que nous allons parler avec, ni kusema, c'est pour dire, kuwa na tabia zile za zamani ambazo zinaonekana kwamba zinachochewa na kitu fulani ambayo inatufanya kwamba tusipendeze Mungu. Dans le sens que nous voulons parler, c'est avoir les comportements ou les attitudes de qui sont poussés par quelque chose. Na ile tabia zile zinatuonesha kwamba hatufai mbele za Mungu. Et ces attitudes qui nous montrent que nous ne sommes pas dignes devant Dieu. Na hiyo ndio chachu ya zamani. C'est ça le vieux levain. Lakini lazima tuelewe kwamba, mais nous devons comprendre que Yesu Kristo ndio Pasaka yetu. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Alikuja kuondoa chachu ya zamani. Il est venu à lever le vieux levain. Ili tuonekane kuwa chachu nyipya. Pour que nous soyons vus comme nouvelle pâte. Paulo anasema katika hii wa Korinto wa pili sura yake ya 5 mstari wa 17. Dans 2 Corinthiens 5 du 7. Kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo, si quelqu'un en Christ, amekuwa kiumbe kipya. Il devient nouvelle créature. Ya kale yamepita. Les choses anciennes sont passées. Na yote yanakuwa mapya. Et toutes choses deviennent nouvelles. Nikusema ukikaribisha Kristo ndani ya maisha yako, c'est lorsque tu acceptes Christ dans ta vie. Chachu ya zamani inaondoka. Le vieux levain est parti. Tabia zile za zamani zinaondoka. Les attitudes anciennes sont parties. Na Kristo ndio anaingia katika maisha yako. Entre dans ta vie. Kristo ndio anakuwa kiongozi wa maisha yako. C'est lui qui commence à guider. Ya kale yanapita, ce qui est ancien passé, mambo yote yanaonekana kuwa toutes choses deviennent nouvelles. Bwana tusaidie sana. Le Seigneur nous aide. Na kwa Korinto nao walipewa neema kumjua Kristo. Au Corinthiens, on leur avait donné la chance de recevoir Christ.
texte. Na walitembea sawa sana neno la Mungu. Ils sont marchés conformément à la parole de Dieu. Lakini ilifikia wakati moja. Mais ils sont arrivés à un moment. Zile tabia za zamani zikawarudilia. Les anciennes attitudes les reviennent. Ile uchafu wa zamani kawarudilia. Les anciennes reviennent. Na wakati ilikuwa ilikuwa tena mubaya kuliko gisi walikuwa mbele. Et lorsque Savelaire était revenu, c'était très peu qu'avant. Na Paulo alipoelewa ile. Et lorsque Paul a entendu ça. Akawaandikia haraka haraka. Les ravait une lettre. Mama mondoe chachu ya zamani. Allez, ne viens le vin. Ili muonekane kuwa chachu nyipya. Pour que vous soyez vus comme une nouvelle pâte. Leo neno hii sio tena kwa Wakorinto. Cette parole n'est plus pour les Corinthiens. Lakini neno hii ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Cette parole est pour toi et pour moi. Ni kwako wewe kanisa ya Gamaliel Temple. Toi l'église de Gamaliel Temple. Wewe baba na mama ambao uko hapa. Mama et papa qui est là. Umefanya vizuri kumpokea Yesu Kristo kama vile Bwana mwokozi wa maisha yako. Tu as fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Umefanya vizuri kumwamini. Tu as bien fait de croire en lui. Na kumfanya kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Il fait comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lakini inawezekana kwamba kwa muda kama huyu. Mais c'est constaté que sa zingine tabia zile za zamani. À ce moment il y a des attitudes anciennes. Ushakudia zile za tabia za zamani. Te sont déjà encore revenus. Lakini neno la Mungu leo linakuja kukuonya. La parole de Dieu vient encore te mettre en garde. Neno la Mungu leo linakuja kurudisha kwenye njia. La parole de Dieu vient te montrer encore. Ujichunguze. Regarde-toi bien. Ujiangalie vizuri. Regarde-toi bien. Angalia zile tabia za zamani. Regarde les attitudes anciennes. Ndio chachu ile ya zamani Biblia inasema. Le vient le vent que la Bible dit. Que tu la lèves. Na mukaribishe tena Kristo ndani ya maisha yako. Tu puisses inviter encore Christ dans ta vie. Ili uonekane kuwa tena chachu mpya. Que tu sois vu comme une nouvelle pâte. Ili utembee katika kumpendeza Bwana. Que tu marches en état agréable à Dieu. Na Bwana atakufurahia. Et le Seigneur sera content de toi. Bwana tusaidie ça. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie ça. Que le Seigneur nous aide. Kwa hiyo chachu mbaya si kitu kingine. Alors le vin n'est pas autre chose. Ni ile ambayo ubaya yote inaweza kutokana na ulimwengu wa giza. C'est tout le mal qui peut provenir du monde des ténèbres. Ambayo inaweza kutokana na shetani. C'est qui peut provenir du diable. Ambayo inaweza kufanya kuwa katika uadui na Mungu wako. C'est qui peut te rendre ennemi ou en inimitié avec ton Dieu. Hiyo ndio chachu ya zamani. C'est ça le vieux lèvre. Lakini tunataka kuwa na chachu nyipya. Mais nous voulons de nouvelles pâtes. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Wakati tunasema kuondoshwa. Lorsqu'on dit à lever. Kifaransa inasema faire disparaître. Ama kupoteza. Kuondosha ama kupoteza kitu kisionekane tena. C'est à lever ou faire disparaître. Ni kufanya ile kitu kisionekanake tena. C'est pour faire que la chose ne soit plus vue. Kama vile Mkristo. Si tu es chrétien, wanapokutafuta kwa mambo ya zamani wasione tena. Lorsqu'on cherche des anciennes choses sur toi qu'on les trouve plus. Unajua Yesu anaambia wanafunzi wake katika Mathayo sura ya 5. Vous savez, Jésus parle à ses disciples dans Matthieu 5. Kwamba mufurahi, il dit réjouissez-vous. Wakati watawasingizia maneno, lorsqu'on va parler les choses contre vous. Wakati watawasemea maneno mengi, lorsqu'on va vous calomnier. Kwa sababu wale ambao waliwatangulia hivyo hivyo nao ndio waliwasemea maneno. Parce que traiter ceux qui vous ont précédé de la même lakini manière. Lakini mufurahi kwa sababu ile maneno hamuko ndani mwao. Mais réjouissez-vous parce que on ne vous trouve pas dans ces combats. Shida itakuwa wakati watakusemea mambo. Alors lorsqu'on va parler des choses contre toi. Na wakukute katika ile maneno. Wakati watakusemea mambo wakukute mwa ile maneno. Et lorsque on te parle sur des choses qu'on ne te trouve pas. Ndio kitu kibaya kile. Qu'on te trouve dans cela, c'est ça ce qui est mal. Ndio kitu kibaya ki tunapashwa kuevite sisi kama vile watoto wa Mungu. C'est ce qui est très mal et dont nous devons éviter comme les chrétiens. Watu kutusemea mabaya hawatakosa. Si les gens parlent mal de nous, ils ne vont pas manquer. Watu wewe watatusinikizia vitu hawatakosekana. Si les gens nous calomnient, ils seront toujours là. Masau Yesu anasema hivyo hiyo ndio mbeleo ya kufanya kwamba injili endelee. Parce que Christ dit c'est ça même le moteur pour que l'évangile avance. Kwa sababu watu wa dunia watataka watuone katika mambo yao. Parce que les gens du monde nous verront dans leurs choses. Lakini japokuwa watataka watuone. Mais ceux qui voudront nous voir. Lakini sasa watatuchunguza kwa kweli. Lorsqu'on va nous examiner certainement. Watukute hatuko mwa ile maneno. Qu'on nous trouve qu'on n'est pas dedans. Itakuwa vizuri sana. Ça c'est une très bonne na chose. Na utukufu itakuwa kimurudia Bwana. Et la gloire viendra au Seigneur. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Kwa leo tutaona. Alors aujourd'hui nous allons voir chachu ya zamani ni gani katika Biblia. Quels sont les leviers les vins qui représentent les vins levés dans la Bible. Quels sont les actes matendo ile chachu ya zamani ni nini katika Biblia. Les vieux les vins. Tutaangalia ni kitu gani. Nous allons comprendre c'est quoi. Na
Siku zitaendelea tutakuwa kesho na kesho yake na kuendelea tutakuwa tunaangalia sasa aina ya zile chachu. Et les jours prochains nous allons voir les sortes de ces levains. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Lakini kwa leo tutaangalia zile chachu ni kitu gani? Nous allons voir seulement les levains là signifie quoi? Kitu kia kwanza ile chachu. La première des choses ya zamani de ces vieux levains. Ni zambi. C'est le péché. Zambi. Le péché. Ndio Paulo anaomba watoto wa Mungu. C'est ce que Paul demande aux enfants de Dieu. Waondoe. Puisse disparaître, faire disparaître. Ya zamani. Le vieux levain. Ili onekane kuwa chachu nyipya. Pour qu'il soit de nouvelles pâtes. Hata Yohane alisema katika Ufunuo. Même Jean parlait dans Apocalypse. Alongea katika Ufunuo. Si vous allez en Apocalypse. Anasema kwamba. Il dit que. Angalia mali ulimwacha Mungu. Regarde là où tu as abandonné. Mali umeanguka. Là où tu es tombé. Kumbuka upendo wa kwanza. Souviens-toi de ton premier amour. Umurudilie Bwana. Et que tu reviens au Seigneur. Kwa sababu usipofanya hivyo. Si tu ne fais pas cela. Bwana atakuja na taharibu. Le Seigneur va venir à lever. Bwana atakuja na taharibu. Et Dieu va venir. Atakuangamiza na mtu yote hataweza kuokoa. Et il va te punir et personne ne va te délivrer. Lakini kama ukijitambua kwamba umeanguka fasi fulani. Mais si tu te retrouves que tu es tombé quelque part. Ukijitambua kwamba umekosea fasi fulani. Si tu te reviens toi-même que tu as foncé quelque part. Ukiangalia gisi ulivyoamini na gisi uko leo. Si tu regardes lorsque tu as cru et lorsque tu es aujourd'hui. Ukiangalia gisi ulivyo ulikuwa kumpenda Kristo na kazi yake wakati ulipoamini. Comment est-ce que tu aimais Christ et son œuvre lorsque tu as cru? Comme tu t'es sacrifié, comme tu es aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Lakini, ukichunguza vizuri, mais si tu regardes bien, utakuta kwamba umekaribisha zambi ndani ya maisha. Tu vas comprendre que tu as fait inviter le péché dans ta vie. Kwa hiyo chachu ya zamani, alors le vieux levain, ni kila aina yote ya zambi ile, c'est toutes sortes de péchés. Ambayo inaweza kuwa inatuvamia katika maisha yetu. C'est qui peut nous dominer dans nos vies. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Na zambi si kitu kingine. Et le péché n'est autre chose que. Katika barua ya kwanza Yohana. Dans 1 Jean. Sura ya tatu. Dans 1 Jean chapitre 3. Mstari wa 4. Le verset 4. Na mpaka 6. Jusqu'à 6. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Barua ya kwanza ya Yohana sura ya tatu. 1 Jean chapitre 3 et le verset. Msari wa ine mpaka sita nasema. Kila mtu anayetenda zambi anafanya uasi. Kwa kuwa zambi ni uasi. Nanyi munajua ya kuwa yeye alionekana kusudi aondoshe zambi zetu na zambi si ndani yake. Kila mtu anayekaa ndani yake hatendi zambi. Kila mtu anayetenda zambi hakumwona yeye. Wala hakumtambua. Amen. Bwana tusaidie sana. Le Seigneur nous aide. Kifaransa ndio nasema vizuri kwamba le français dit bien zambi que le péché ni kuivunja sheria. C'est la transgression de la loi. Wewe ambao unajua sheria ya Mungu. Toi qui connais la loi de Dieu. Wewe ambao unajua neno la Mungu vizuri. Toi qui connais bien la parole de Dieu. Na wakati unaijua vizuri. Parce que tu la connais bien. Lakini haupendi kuikamilisha kuitimiza. Mais tu ne veux pas le mettre en pratique. Jua unafanya zambi. Faut connaître que là tu pèches. Wewe ambao unajua kufanya mema. Toi qui es appelé à faire le bien. Na hukufanya mema. Et tu fais pas ce bien. Unafanya zambi. Tu pèches. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba. Alors que nous devons comprendre que. Zambi ni chachu ya zamani katika maisha. Le péché c'est le vieux levain dans nos vies. Kwa sababu sisi hatuko tena wa zamani. Parce que nous ne sommes plus de l'ancien temps. Kwa sababu wote walio ndani ya Kristo. Parce que tous qui sont en Christ. Wamekuwa viumbe vipya. Sont de nouvelles créatures. Ya kale yamepita. Les anciennes choses sont passées. Na yote yanakuwa mapya. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Ukiona mfano. Si tu vois l'exemple. Ya Kaini. De Caïn, ambayo Mungu alimuonesha waziwazi. Dont Dieu l'avait montré clairement. Katika Mwanzo sura ya 4 kama uko naandika. Dans Genèse chapitre 4. Sura ya 4 mstari wa 6 mpaka 10. Si vous commencez au verset 6 jusqu'à 10. Mungu anamwambia Kaini. Dieu dit à Caïn. Mimi naona zambi inashimama kwenye mlango wako. Je vois le péché loger devant ta porte. Lakini nakuomba uishinde kwa mema. Mais je te demande de le surpasser en bien. Uishinde kwa mema. Que tu te surpasses en bien.
Unajua Mungu wetu anatupenda sana. Notre Dieu nous aime beaucoup. Neno la Mungu alikuje bure. La parole de Dieu ne vient pas en vain. Kila leo unaposikia neno la Mungu ujue kwamba alikuje bure. Chaque jour que tu écoutes la parole, connaissez que ça ne vient pas. Mungu anajua kwa nini anatuma ineno ya kusema tuondoe chachu ya zamani. Dieu connaît pourquoi il nous demande de faire disparaître les vieux levain. Kwa sababu yeye ndio anatujua vizuri. Parce que c'est lui qui nous connaît très bien. Yeye ndio baba yetu. Lui notre papa. Yeye ndio bwana wa kazi. C'est lui le maître du travail. Tusingejisifu kama tumekuwa watu fulani. Nous ne puissions pas nous glorifier que nous sommes de tels. Tusingejisifu kwamba tuko na miaka fulani mkanisa. Nous ne puissions pas nous glorifier de l'ancienneté dans l'église. Tusingejisifu kwamba tuko sijue wa fulani. Que nous ne puissions pas nous glorifier des titres qu'on a. Lakini tujisifu. Que nous puissions nous glorifier. Kitu moja Biblia inatuomba tujisifu nakyo. La seule chose dans la Bible nous demande. Kama tunauhakika kwamba jina zetu zinaandikwa katika kitabu kile. Lorsque nous nous rassurons que nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Kama jina zetu zinajulikana mbinguni. Si nos noms sont connus au ciel. Sio majina makubwa makubwa. Ce n'est pas des grands noms. Sio miaka. Ce ne sont pas des années. Ndio maana Yesu alisema mufanye angalisho. C'est pourquoi Jésus dit faites attention. Kwamba makahaba na wazinzi watawatangulia mbinguni. Parce que les impudiques et les adultères vont vous précéder. Kwa sababu wao parce qu'ils vont se reconnaître, ils vont abandonner leurs péchés, ils vont laisser Christ entrer dans leur vie, et lorsqu'il entrera dans leur vie, les changeront, et nous resterons avec des noms, et je suis tel dans l'église, et Jésus ne nous connaîtra pas, et à la fin il dira à partez de là, je ne vous ai jamais connu. Que nous ne soyons pas au milieu de ces gens. Que nous soyons au milieu de ceux-là dont Jésus va accueillir. Il a dit, venez. Vous les enfants fidèles et tout. Vous les enfants fidèles. Vous qui avez écouté la parole et vous avez gardé. Alors Dieu te dit, fais attention. Parce que le péché loge devant ta porte. Malgré cela, Kaini hakusikia. Kaini n'a pas écouté. Alifiki hata kumua ndugu yake Abel. Il est arrivé à tuer même son frère Abel. Na mwisho kwa kuwa aliasi neno la Mungu. À la fin, parce qu'il a transgressé la loi de Dieu. Kwa sababu alifanya zambi. Parce qu'il a péché. Biblia nasema kwamba Mungu naye alimkata. La Bible dit Dieu le rejeta. Fanya angalisho na zambi. Le péché. Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Le salaire du péché c'est la mort. Utafurahia dhambi leo. Si tu te réjouis dans le péché aujourd'hui. Lakini jua mwisho na mwisho inakubeba katika mauti. Mais à la fin va t'amener dans la mort. Mshahara wa dhambi ni mauti. Le salaire du péché c'est la mort. Achana na kuambatana na dhambi. Laisse le péché. Ndio maana mwandishi wa Ibrania katika sura yake ya 12. C'est pourquoi mwandishi wa kitabu kia Ibrania. C'est pourquoi celui qui a écrit les Hébreux katika kitabu katika sura yake ya 12 le chapitre 12 mstari wa kwanza le verset premier anasema, il dit basi na sisi pia kwa sababu tunazunguka na wingi kubwa la washuhuda namna hii tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi inayoambatana na inaoambatana sana sana kwa upesi na tupige mbio kwa uvumilivu katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Amen. Amen. Kwa hiyo tuko tunaenda kusherekea Pasaka. Alors nous allons célébrer la Pâque. Kwa hiyo acha tuvue ile mizigo mizito inatulemea. Que nous puissions nous débarrasser de ces lourds fardeaux. Ile zambi ambazo zinatuzunguluka facilement. Ce péché qui nous enveloppe si facilement. Wewe pekee unajua kale kazambi kanakufunga. Toi même tu connais le péché qui t'enveloppe. Unajua ile ambayo inakubana kabisa. Tu connais ce qui t'attache à toi. Lakini acha kwa kipindi hiki kia mafundisho hili. Alors laisse dans ce moment d'enseignement. Usingeliitika ubakie katika ile hali. Je n'ai pas accepté de rester dans cette situation. Kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili ya zambi. Parce que Christ est mort à cause de tes péchés. Et c'est lui qui est venu te débarrasser de ces fardeaux de péché. Et que nous puissions fixer le regard sur la vocation que nous avions reçue de Dieu. Pour que nous puissions arriver au salut qui nous a été promis par Dieu. Alors aujourd'hui, vous devez comprendre que tout le péché qu'on peut commettre, ça devient
et vient les vins. Na uelewe kwamba Biblia inasema kwamba. Et la Bible dit que chachu ndogo le petit sema le inaweza kuchachisha fungo kubwa. Le pain de levée peut faire lever toute une pâte. Chachu ndogo tu c'est un peu de levain. Inaweza kuchachisha fungo kubwa ya kitu. Oui, fait lever toute une pâte. Ka kitu kidogo tu ndani ya maisha yako. Une petite chose dans ta vie. Kanaweza kuangamiza maisha yako yote. Détruit toute ta vie. Kanaweza fanya kwamba usione wokovu wa Mungu. Ça peut faire que tu ne vois pas la main de Dieu. Ta kitu kidogo kanaweza kuangamiza nyumba yako yote tu. Juste une petite chose peut détruire toute ta famille. Kabongo kadogo tu. Juste un petit mensonge. Kabongo kadogo tu. Juste un petit mensonge. Unajua uongo kidogo unaweza kulunguza hiyo mwingine ya Bukavu. Tu sais que juste un songe peut consumer toute la vie de Bukavu. Mtu anaweza kutoka hapa anatunga bongo na watu yote ya Bukavu wanajua kama ni vile. Quelqu'un peut juste concevoir un mensonge et tout le monde dira c'est vrai. Mukimbie mukimbie biko banaua watu kule. Fuyez, on est en train de tuer les gens. Na watu yote wanakimbia na hawajui lenyeloko. Et les gens commencent à fuir alors que c'est un mensonge. Kwa hiyo kile kitu kidogo kale kazambe kidogo umekaribisha ndani ya maisha yako. Alors le petit péché que tu fais acquérir dans ta vie. Fanya angalisho. Fais attention. Inaweza kukuangamiza katika maisha yako. Ça te détruit dans ta vie. Leo naomba kuiondoa. Ça demande à ce que tu lèves ce péché. Ili onekane kuwa chachu nyipya. Pour que tu sois vu comme une nouvelle pâte. Ndani ya Kristo. En Christ. Tu fanye sherehe. Que nous puissions célébrer cette fête. Sio kwa chachu za zamani. Pour le vieux levain. Lakini kwa chachu nyipya. Mais pour de nouvelles pâtes. Ndiyo Kristo ndani ya maisha yetu. C'est ça Christ dans nos vies. Ndiye Pasaka aliyotolewa kwa ajili yako. C'est notre Pâques aujourd'hui. Na kwa ajili yangu. Pour toi et pour moi. Kitu kia pili. La deuxième chose. Chachu ya zamani. Le vieux levain. Ni unafiki. C'est l'amitié. Unafiki. L'amitié. Luka sura yake. Unafiki. L'amitié. Hypocrisie. Pardon? Hypocrisie. Ah. L'hypocrisie. Excusez. Luka sura yake 12. Luc chapitre 12. Luka 12. Luc 12. Mstari wake wa kwanza. Pale. Le verset premier descendant un peu. Sura ya kwanza na kushuka kidogo Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Wakati huu walipokusanyika makutano ya watu elfu nyingi hata wakakanyangana akaanza seduze. Akaanza kuwaambia wanafunzi wake kwanza, angalieni chachu ya wafarisayo iliyo udanganyifu. Amen. Amen. Soma kwa Kiswahili. Sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous de levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Amen. Bwana tusaidie ça. Que Dieu nous aide. Chachu pia. Levain encore. Chachu ya zamani. Le vieux levain. Ni unafiki. C'est l'hypocrisie. Unajua leo kanisa la Mungu. Vous savez aujourd'hui l'église des dieux. Watu wengi wanatika unafiki. Beaucoup de gens sont dans l'hypocrisie. Lakini Mungu hataki tuonekane kwa wanafiki. Mais Dieu ne veut pas nous voir être des hypocrites. Unajua munafiki ni mtu gani? Vous savez l'hypocrite c'est qui? Ni mtu mwanajifanya kuwa mzuri japo kwa kweli haiko mtu mzuri. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien alors au fond de lui c'est pas bien. Anaonesha picha yenye haiko hayo. Il montre l'image qu'il n'est pas. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Iko anaonesha picha yenye haiko nayo. Il montre l'image qu'il n'est pas. Na kanisa leo wengi watumishi kama vile wajakazi na watoto wa Mungu waonekana kuwa wanafiki. Et aujourd'hui dans l'église les serviteurs servantes même les enfants de Dieu se vuent être hypocrites. Ukiwasikia wanasema hapa. Si tu les écoutes, parler. Wanasema en tout cas hakuna wawili, hakuna mkristo saa huyu. Tu vas dire il y a pas un chrétien comme tel. Hakuna mtumishi saa huyu. Il y a pas un serviteur comme tel. Lakini Mungu akupatie tu neema uishi naye saa mbili tu.
Mais si Dieu te donnait la grâce de vivre avec lui 2 heures seulement, ou bien de rester un jour avec lui, tu vas te poser la question, c'est lui qui parlait ces choses ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que ce qu'il parle, c'est différent de ce qu'il fait. Le vin, le vin. C'est ça ce que Jésus leur donne, un conseil de prendre garde au levain des pharisiens. Les pharisiens ambayo ndio unafiki, qui sont qui est l'hypocrisie, pardon. Ile chachu ya wafarisayo na masadukayo. Wao walikuwa wanaonekana kama vile watu wazuri, walikuwa unajua wasadukayo walikuwa na ilikuwa ni dini wakati wa Yesu ambayo ilikuwa inafundisha nayo ilikuwa inahubiri mambo mengine. Les pharisiens et les sadducéens, c'était groupe de gens qui aussi enseignaient au temps de Jésus. Na spécialité yao ilikuwa kusema kwamba ufanye veniko na hubiri lakini usifuate matendo yao. Leur spécialité montrait aux gens de faire ce qu'ils enseignaient et de ne pas suivre leurs actes. C'est pas ce qu'ils te demandent de faire toi, mais c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Et Jésus avait mis en garde ses disciples de faire attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Avait certifié leur montant que c'est l'hypocrisie. Fond de Dieu qui est là aujourd'hui, que tu es une hypocrite à haut niveau. Faites attention. Mungu apendezwe na hali kama ile. Dieu n'est pas content de ce de Mungu anakuomba leo uondoe ile. Dieu te demande de faire disparaître cela. Oui, uondoe. Que tu le fais disparaître. Ili onekane kuwa chachu nyipya. Pour que tu sois vu comme nouvelle pâte. Uwe chachu nyipya. Que tu sois une nouvelle pâte. Yule ambao umemwamini. Le Dieu en qui tu as cru. Ule Christ ambao umempokea. Le Christ que tu as reçu. Aonekane hakika katika maisha yako. Qu'il soit réellement vu dans ta vie. Usiwe mtakatifu shabwengi. Que tu sois pas sainte ni touche. Usikuwe mtakatifu wa kujifanya fanya. Que tu sois pas seulement une hypocrite dans la sanctification. Pale mwanzo niwaambia Paulo anaambia wa Korinto kwamba nimesikia kwenye kumekuwa uzinzi ambaye hakuwaka nje. Paul dit aux Corinthiens que j'ai entendu de l'adultère qui n'a jamais été constaté même chez le païen. Wengi kati yetu hapa. Au milieu de nous ici beaucoup. Hata wenye kukua katika ndoa. Même ceux qui sont dans le mariage. Unaweza kutamani unasema ule alipataka bwana, ule alipataka bibi. Tu peux leur envier pour dire lui il a eu vraiment une femme et elle aussi un bon mari. Lakini kumwangalia sasa. Mais lorsque tu le regardes bien. Zaidi ya kahaba. C'est plus que une pute. Hakuna uaminifu katika ndoa. Il y a pas la fidélité dans le mariage. Jua kwamba Mungu anachukia sana. Connaissez que Dieu n'aime pas ça. Infidélité katika ndoa. L'infidélité dans le mariage. Na wewe ambao uko katika ile mambo ile. Et toi qui es dans ces choses là. Uko unaonesha mbatu yote. Que tu es en train de montrer aux gens. Kama uko mwanamke mzuri. Que tu es une belle femme, une bonne femme. Uko bwana mzuri. Tu es un bon mari. Uko unaonesha mbatu yote. Que tu montres aux gens. Kwamba uko kijana mzuri sana. Que toi tu es vraiment excellent. Unajua vijana leo. Vous savez les jeunes aujourd'hui. Hakika uchafu ama uzinzi imekuwa zaidi gisi haiwezi kuwa katika hata katika sijue kule nje kwa pagani. Dans l'église on constate aujourd'hui dans la jeunesse l'impudicité en outrance au point qu'on n'est pas même retrouvé ça dans le monde. Lakini ukimwona anaimba hapa. Ukimwona anaimba hapa. Mais si tu le vois chanter ici. Unasema si en tout cas ule ni. Tu te dis en tout cas c'est un ange. Hakuna mtakatifu Saul. Il y a pas. Ukimuuliza ukimwambia kitu, si tu lui poses la question, anaangalia chini hivi sasa mwenye hayasikiaka kitu. Gamba comme il n'a rien entendu. Lakini wewe ndio mkute bei kwa nafanya. Mais lorsque tu le trouves ce qu'il est en train de faire.
Utajiuliza kama ni mkristo au iko mkristo. Tu vas te poser la question, est-il chrétien ou non? Na hii masimu sijue ulimwengu umetuletea. Et aujourd'hui le téléphone que le monde nous a donné. Ukiangalia ile masimu tuko na huko mikono pale. Si tu regardes nos téléphones que nous avons. Uambie wakufungulie tu wazo. Si seulement ils pouvaient te montrer ce qui est dedans. Utajiuliza kama huyu ni mtoto wa Mungu au iko mtoto wa Mungu. Tu vas te poser la question, est-ce que c'est un enfant de Dieu ou non? Wengi wetu ni walevi sana. La plupart d'entre nous sont des soulards. Entrez seulement dans des fêtes pour les voir. Nona dada mzima tu. Tu vois une sœur. Na bichupa yake biwili bya Monster. Il prend deux bouteilles d'Amster. Tena mtoto mdogo. Encore c'est un petit enfant. Unajiuliza ni yeye haiko yeye. Tu te poses la question, c'est elle ou ce n'est pas elle? Bakutirie musique pale sasa. Comme maintenant la musique. Tuache unafiki. Et abandonnons l'hypocrisie. Tuache unafiki. Laissons l'hypocrisie. Kweli yetu iwe kweli. Que notre vérité soit vérité. Ama ndio yetu iwe ndio. Que notre oui soit oui. Na hapana iwe hapana. Et non soit non. Kama huko moto. Si tu n'es pas chaud. Au baridi. Ou froid. Yesu anasema kwamba atakutapika. Jésus dit va te vomir. Ngelikuwa heri wende umalize kwanza byako kule. Ça pouvait être bien si tu allais finir avec tes histoires là-bas. Na kisha umpatie Kristo maisha yako lote. Et puis maintenant donner à Christ ta vie. Kuliko kufanya unafiki katika maisha. Au lieu de faire l'hypocrisie dans la vie. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Na kesho tutadevelope sana. Demain nous allons développer. Sasa tunaanza kuangalia ile aina za ile chachu za zamani. Lorsque nous allons décortiquer les sortes de vieux levains. Ukiangalia Mathayo 23. Si nous regardons Matthieu 23. Yo takuta kisi Yesu iko anawakemea. On est en train de voir comment c'est Christ le réprimander. Ole wenyu. Malheur à vous. Enyi wanafiki. Vous les hypocrites. Wandishi na masadikayo. Vous les scribes et les pharisiens. Kwa sababu. Parce que. Munapaka choka inje. Vous mettez des peintures dehors. Vous êtes vu beau. Mais si vous lisez Matthieu 23, vous allez voir ces choses. Mais que le Seigneur nous aide à quitter l'hypocrisie. Et que Dieu nous aide. Kitu kingine ambacho ni unafiki katika Biblia. Donc, autre chose que nous voyons aussi dans la Bible. Ambayo ni chachu ya zamani. Qui aussi est vient les vins. Ni kukosa utifu. Manque d'obéissance. Kukosa utifu, la désobéissance. Ou la désobéissance, oui. Bwana tusaidie sana. Amen. Kukosa utifu. La désobéissance. Wengi leo tunaitwa watu wa Mungu. Beaucoup de gens les appellent les enfants de Dieu. Tunaitwa watumishi wa Mungu. On nous appelle les serviteurs de Lakini Dieu. Lakini tuko waasi. Mais nous sommes des rebelles. Tuko waasi. Nous sommes des rebelles. Kuna mfano moja. Il y a un exemple. Ambao Yesu alitoa. Yesu alitoa mfano moja. Jésus a donné un exemple. Ya mtu mmoja alikuwa na watoto wawili. De quelqu'un qui avait des enfants. Na akatoka. Et il est sorti. Akaambia umoja kwamba il a dit Alain apige mbio aende katika shamba afanye hiki na kile d'aller faire quelques travaux dans le champ. Lakini ule umoja akamwambia celui-là lui disa baba sitaenda papa j'irai pas. Ikavunja moyo wa baba yake ça est déplié à son père. Na mwingine wa pili sawa wa kwanza alikatala lorsque le premier avait refusé. Waliambia wa pili akasema ataenda. On a dit au deuxième il a dit je vais partir. Lakini sali toka inje. Mais lorsqu'il est sorti dehors, akambia bakiana na maneno yako baba. Il a dit reste avec tes paroles papa. Bile ni biako bile. Ça te regarde ça. Sitaenda. Je n'irai pas. Lakini ule wa kwanza dhamiri zikamkamata. Mais le premier la conscience le revint. Kwa nini mimi naweza kuasi baba yangu? Pourquoi je peux rebeller à mon père? Alikatala. Il a refusé. Lakini akajipa moyo akaenda kwenye walimwambia. Mais revint à lui-même, s'est fortifié là où l'envoyait. Lakisha akarudi akapana ripoti. Et il est revenu pour donner les rapports. Lakini ule mwingine. Mais l'autre là. Yaliitika. Il a accepté. Na kwenda. Il n'était pas parti. Na kurudia kupana ripoti kwa sababu hakuna alifanya. Il n'est pas revenu donner les rapports parce qu'il n'a rien fait. Alionekana kwamba hakuwa na utifu. Il était vide désobéissant. Hakukuwa mtifu.
Il était désobéissant. Et Jésus posa la question entre ses deux enfants. Qui avait obéi à son père? La Bible dit que c'est celui qui a refusé au premier temps, mais il est parti. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont comme ça. Dieu nous appelle à son service. Bwana anatuchagua tufanye hiki. Dieu nous choisit pour faire ceci cela. Bwana anatutuma tufanye hiki. Dieu nous envoie faire ceci. Lakini hatukifanye. Mais nous ne le faisons pas. Tufanye angalisho kwa sababu ile ni chachu ya zamani. Faisons attention parce que ça c'est le vin levain. Lazima tuonekane kwa watifu kwa neno la Mungu. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Tunajua mfano ya mfalme Saul. Vous savez l'exemple du roi Saul. Tunajua mfano mfalme Saul. L'exemple du roi Saul. Mungu anamutuma aende akangamize. Dieu lui dit d'aller exterminer. Aribishe kila kitu asikamate hata kitu kimoja. D'exterminer toutes choses sans rien toucher au point. Lakini kwa sababu hakukua mtiifu. Mais parce qu'il n'était pas obéissant. Salifika kule. Lorsqu'il arriva, kaona banamke bazuri. Il a vu des belles femmes. Kaona mangombe nzuri. Vu des beaux. Il a vu aussi des chèvres, des vaches. Akaona vitu vizuri vizuri sana. Il a vu des bonnes choses. Il a dit, elle peut être la femme du roi. Je vais prendre ça. Nakasema Mungu wetu anapenda kula nyama, nitaenda kumtolea mangombe. Notre Dieu aime aussi la viande, je vais l'offrir des vaches. Akasabu kama haiko vile ndio Mungu alimtuma. Il a oublié que ce n'est pas ces choses que Dieu l'avait envoyé. Angaliki tu munjia Mungu akamfunulia mtumishi wa Mungu Samuel. Alors un jour Dieu révéla son serviteur Samuel. Sema kelele gani ile ninasikia? Il dit c'est ce que j'entends. Makelele gani ile ninasikia? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Wende mbio akaangalia ile mambo Saul alifaa kule. Allez vite regardez ce que Saul a fait. Akakuta hakika aliangamiza, aliua, alipiga inchi, akakamata. Il a trouvé qu'il avait vraiment saccagé, il a aussi lakini akutii sauti ya Mungu akajikamatia pia vitu vingine. Mais il n'a pas obéi à la voix de Dieu et s'est acquis d'autres choses. Samuel akamwambia. Saul lui dit ça. Je, unafikiria kwamba Mungu anapendezwa na sadaka ya kuteketezwa sijue na mafuta ya ngombe kuliko utiifu? Tu penses que Dieu se réjouit seulement de l'offrande sacrifiée ou bien de la grâce qu'est l'obéissance? Lakini uelewe kwamba utiifu ni bora kuliko sadaka. Mais sachez que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Kwa sababu likatala kuti, parce que refuser d'obéir, Mungu amekukatala tangia leo. Dieu te jette aussi. Kwa hiyo chachu ya zamani inaweza kufanya kwamba ukataliwe na Mungu. Alors le vin levain peut faire que tu sois rejeté par Dieu. Chachu ya zamani inaweza kufanya kwamba Mungu akutupilie mbali. Le vin levain peut faire à ce que Dieu te rejette. Saul alitafuta moyo yote ya kusamehewa lakini ilikataliwa. Saul cherchait tous les moyens pour être encore pardonné mais c'était plus possible. Unajua watu wengine katika Biblia. Vous savez d'autres personnes dans la Bible. Ambao Mungu alisema msiwaombee hata kwa sababu nimewakatala. Que Dieu prie pas pour eux parce que je les rejette. Mungu anakuita kwa kazi yake. Dieu t'appelle à son service. Mungu anakupatia mission fulani. Dieu te donne une mission à quelqu'un. Lakini wewe unafanya moyo mgumu. Et toi tu résistes. Jua kwamba ni hatari kwa ajili yako. Il faut dire que Dieu pardon. Ni hatari kwa ajili yako. Ah, ça c'est un danger pour ta vie. Lakini ondoa ile chachu. Mais que tu enlèves ce levain. Ya kukosa utiifu. Et si tu es désobéissant, na Mungu atakusaidia. Et Dieu t'aidera. Ingine kitu ambacho ni chachu katika maisha ya watoto. Une autre chose qui est aussi le levain dans ta vie. Ile chachu ya zamani. Ce le vieux levain. Ni mafundisho ya uongo. C'est l'enseignement des mensonges. Mafundisho ya uongo. Les faux enseignements. Ni chachu mbaya sana. C'est aussi un mauvais levain. Chachu. Mafundisho ya uongo ni chachu mbaya sana. Ce mauvais enseignement c'est aussi un mauvais levain. Watu wengi wanangamia kwa sababu ya mafundisho mbaya. Beaucoup de gens souffrent et sont en danger parce qu'ils ont suivi des faux enseignements. Juzi nilikuwa nafundisha kule ukanisa. Vous êtes en train d'enseigner à l'église. Nikasema kwamba. Et je dis que siku ambazo tunaziishi ni zibaya kabisa. Les jours que nous sommes en train de vivre sont très mauvais. Hata Biblia inasema. Même la Bible dit. Siku ambazo tunaziishi ni siku za uharibifu. Les temps que nous sommes en train de vivre c'est le temps de la destruction. Siku zibaya za uharibifu. C'est le temps de la destruction. Ambazo siku mambo mazuri imekuwa mubaya. Où les bonnes choses sont vues comme mauvaises. Na mambo mabaya yamekuwa mazuri. Et les mauvaises choses sont prises comme des bonnes choses.
Vous pouvez comprendre que lorsque nous étions des petits enfants, lorsque nous avions crié, si tu ne vois pas quelqu'un qui n'a pas peigné, c'est que c'est un fou. N'est-ce pas, vous connaissez ça? À ce temps-là, si nous voyons la personne qui n'a pas peigné, c'est un fou. Mais même aujourd'hui, dans l'église, vous voyez, les jeunes veulent venir avec des cheveux non peignés. Ça devient un mode. Si on a un mode, anavala mango ya kupasula kwa wakati, ya kupasuka kwa wakati yetu. À cet temps-là, si on voyait de la personne qui porte des cheveux. Mtu gani? Mtu anavala mango ya kupasuka. D'ailleurs, tu pouvais même pas bazimu. C'est un fou. Lakini uko naona leo hata kanisani, hata watumishi wa Mungu wanapenda wavale mavazi ya kupasuka. Mais aujourd'hui, même les serviteurs veulent porter des déchirés. Unajiuliza dunia inaenda wapi? Où va le monde? Na hiyo yote ni mafundisho ya uongo. Toutes ces choses, ce sont des faux enseignements. On te montre que c'est ça le monde. Mode ile. C'est ça le monde. Lakini Paulo anasema kwamba tusilinganishe na dunia ya sasa. Paul dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Lakini tubadilishwe katika roho zetu. Mais que nous soyons renouvelés par l'intelligence. Mafundisho yiko leo ni mafundisho mengine leo. Que aujourd'hui il y a d'autres enseignements. Mafundisho ni mafundisho mabaya ambayo inafanya watu wapate kupenguka. Les enseignements qui amènent les gens dans la perdition. Hapana kuambatana ambatana na mafundisho. Il faut pas suivre tous les enseignements. Ndio maana Paul aliambia kwa Timotheo. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée. Kwamba ashikamane na mafundisho ambayo alishika, aliyosikia. De garder bien l'enseignement qu'il a reçu. Akeshe kwayo. Qui veille sur ça. Tusishike mafundisho. Que nous ne puissions pas embrasser beaucoup d'enseignements. Nyumba leo za mingi zinavunjika vunjika juu ya kusikia sikia. Aujourd'hui beaucoup de consciences sont détruites à cause de beaucoup entendre. Taifa nyingi leo zinavunjika vunjika juu ya kushika shika. Beaucoup des églises aussi sont détruites à cause des choses qu'ils ont embrassées. Paka wengine wanasema vile ni vyenye ni vile vya wakati yenu vile vya wakati yetu leo ni hivi. Ça c'est chose de ces votre temps. Aujourd'hui c'est notre temps. Lakini usidanganyike. Ne soyez pas trompés. Notre Dieu ne change pas. Yule. Il est le même. Jana, hier, Léo, aujourd'hui, na hata milele. Et éternellement. Na neno lake halibadirike. Et sa parole ne change lile, pas. Lile jana, c'est la même parole Léo, hier. Na hata milele. Aujourd'hui, éternellement. Hakuna kitu ambacho kimebadilika. Il n'y a rien de ce qui a changé. Na kama umemwamini Kristo. Et si tu as crié en Christ, jua gisi umemwamini. Il faut connaître comment tu as créé. Il faut connaître la parole na que tu as créé. Et que tu gardes cette na parole. Nalo. Et que tu suives na cette parole. Et tu verras le salut de Dieu. Bwana tusaidie ça. Que le Seigneur nous aide. Kwa kanisa la Mungu, alors pour cela l'église de Dieu. Mungu anataka tuondoe chachu ya zamani. Dieu veut que nous puissions faire disparaître le vieux levain. Tuwe chachu nyipya. Pour que nous soyons de la nouvelle pâte. Kwa sababu Kristo. Parce que Christ. Ndio pasaka yetu. Qui est notre pâte. Alisha kutolewa tayari. Est déjà immolé. Kristo alisha kumaliza yote pale msalabani. Dieu a tout terminé à la croix. Tuko tunaenda kusherekea pasaka. Nous voulons célébrer la Pâque. Paul anasema tusisherekee kwa chachu ya zamani. Paul dit de ne pas le célébrer avec le vin levain. Kwa chachu ya uovu na ya uharibifu. Le vin de l'impureté aussi. Lakini tuisherekee kwa chachu nyipya. Mais que nous puissions célébrer avec de nouvelles pâtes. Dio kweli na haki katika maisha yetu. Qui est la vérité et la pureté. Simama kwenye uko tuombe kidogo. Nous allons prier. Kesho tutaendelea tena. Nous allons continuer demain. Umeelewa? Vous comprenez? Chachu ni kitu gani? Qu'est-ce le levain? Na saa zingine ile chachu imeonekana kuwa katika maisha yako. Et peut-être ce levain s'est vu dans ta vie. Na kama umejielewa kwamba hiyo hii chachu ambazo tumezisema hapa zinaambatana na wewe. Et si tu reconnais que ce levain que nous avons cité sont dans ta vie. Kuzibakiana. Ce n'est pas bon de rester avec. Amua kuziondoa. Décide-toi de les enlever. Et d'inviter encore Christ dans ta vie. Na yata kushindia. Et lui te donnera la force. Na yata kupigania. Il va te donner la victoire.